Eh bien, aujourd'hui, elle est venue pour nous montrer son amélioration. Alors, vous allez voir, c'est une pépite et c'est une professionnelle. D'ailleurs, moi, ça m'a vraiment, mais vraiment, ces tableaux m'ont beaucoup plus, vraiment. Alors, ce n'est autre que la jeune Aïda Manar. Alors, vous allez la voir, vous allez la découvrir avec moi et la redécouvrir une deuxième fois. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Merci, Vous oui. allez bien? Alhamdoulilah. Alors, il y a 2 ans, il y a Il combien? y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans de ça. Déjà 2 ans. Déjà 2 ans, ça passe vite, hein. Oui, c'est vrai. Alors, je suis tombée sous le charme de ce tableau qui est juste à ma droite. Non, c'est celui-là, celui-là. Voilà, je suis tombée sous le charme de celui-là, celui qui est à ma droite, voilà. Alors, c'est que, Oui. c'est-à-dire qu'exprime ce tableau? Que vouliez-vous exprimer à travers ce tableau? Bon, d'accord. Alors, ce tableau, je l'ai appelé la vérité. D'accord? Oui. Bon, je l'ai appelé pour ça parce qu'il est un peu abstrait. Et comme vous voyez, il est posé d'une manière assez compliquée parce que si on le repose dans l'autre sens, Sens, oui. c'est Ça un autre a une point de autre. vue. D'accord. Pourtant, il sera toujours le même. C'est comme ça que je vois, moi, la vérité. Genre, pour une autre personne, ça peut être, il voit d'un autre point de vue, et c'est toujours la même chose. Donc, c'est assez abstrait, la vérité. On peut pas la peser, on peut pas la mettre, la cadrer. Alors, je reviens vers vous. On Voilà. vous a reçu il y a 2 années, d'ailleurs, vous aviez passé votre bac. Oui, c'est vrai. Alors, et quelles sont les nouvelles de Aïda Manar? Ça va, alhamdoulilah. J'espère que vous appréciez mes tableaux et que je fais des progrès. Alors, qu'est-ce que vous faites actuellement? En dehors d'être artiste plasticienne, autodidacte? D'accord, j'étudie dans l'université. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis biologiste, Très mais bien. je viens tout simplement d'avoir mon L2. Du coup, Très bien. prochaine année, c'est mon licence. Ah ben voilà, un bon courage. Eh bien, merci. J'espère qu'on aura des répliques. Inch'Allah, merci. Inch'Allah. Alors, parlez-moi alors de ce tableau. Des orchidées. Les orchidées, exactement, avec de jolies couleurs. En fait, les orchidées, c'est mes fleurs préférées parce qu'elles ont un style très particulier. Comme vous voyez, elles sont balancées, mais en même temps, elles sont tout à fait parfaites, vous comprenez? Du coup, sur la perfection, elle n'est pas tout à fait droite. Sur la perfection, elle est imparfaite. Et c'est ce qui représente ces fleurs. Comprenez? Ça m'a plu, l'imperfection qui est devenue. Voilà. Ah ben voilà, c'est l'ambiguïté de cette fleur qui vous a attiré, c'est ça. Disons que tout le monde est parfait à sa façon. Ça veut dire que l'orchidée est parfaite à sa façon. C'est ça. Très bien, donc j'ai pu comprendre ça, c'est bon, ça va. Très bien. Va. Alors, ce que je vois justement sur vos tableaux, c'est que vous peignez beaucoup plus tout ce qui est fleurs. Pourquoi? Ce que j'aime les fleurs, en plus elles ont un petit côté décoratif. Alors, elles sont expressives et décoratives. Quand je les termine, j'aime bien les voir sur mon mur. D'accord, très bien. Alors, vous mettez tous ces tableaux sur vos murs, non? La plupart, pour que je puisse les comparer, voir si j'ai progressé, qu'est-ce qu'il me reste à faire. D'accord. Et est-ce que ça vous arrive de vous autocritiquer? Oui, bien sûr, tout le temps. Tout le temps. Oui, il faut voir ce qu'il manque pour le rectifier. Il faut être honnête, quoi. D'accord. Alors, et comment se fait le choix justement des couleurs? Là, je vois que vous avez utilisé du jaune, on va dire, avec du vert, puis le noir, et qui exprime aussi des fleurs. Alors, quelles variétés de fleurs ici qui sont Ce sont des coquelicots. des coquelicots en jaune? Oui, ça existe et c'est très beau. Ah bon? Bon, moi j'ai vu une photo sur internet, c'était un lever de soleil sur un champ de coquelicots. Ouais. J'ai voulu le représenter à ma façon. C'est comme si le jaune était le lever de soleil. Alors attendez, donc le coquelicot il est rouge. Non, il existe des variétés jaunes. Il est rouge, il est mauve. Ah d'accord, cela dépend. Oui, je D'accord. l'ai étudié en biologie. C'est ce que je vois, oui. Alors dites-moi, et le tableau qui est là-bas, c'est une jarre? Oui. Bon, Alors? à cette époque, je faisais des cours d'histoire dans les beaux-arts. Bon, Oui. j'ai fait qu'un mois, mais j'ai réalisé ce tableau-là et l'autre. Oui. C'était comme si on nous donnait un sujet, on Oui. me disait de le changer selon ma manière. Du coup, j'ai mis cette jarre en bleu.
Pour moi, le bleu, c'est une couleur très forte. Et comment se fait justement le choix des thèmes que vous peignez? Bon, soit je vois une seule image, bien sûr, soit j'ai envie de représenter quelque chose. Par exemple, comme celui-là, la vérité, j'ai voulu représenter quelque chose d'abstrait et vrai en même temps. Du coup, ça donnait ça. Et vous avez choisi justement des couleurs claires avec un soupçon de noir. Oui. Que veut dire, on va dire, ces couleurs qui sont claires, qui représentent un petit peu aussi la clarté, la vérité, on va dire, avec un soupçon de noir qui, généralement, on dit du noir que c'est lugubre, que c'est ambigu, que c'est, etc. Bon, bien sûr, toute couleur a un sens. Oui. Bon, c'est dans ce tableau, comme vous voyez, il y a des couleurs claires, comme vous l'avez remarqué. Oui, Bon, les de couleurs très foncées, belles. oui. Disons que c'est les couleurs foncées, c'est les moments qui sont moins bien de notre vie. Ça fait ressortir les bons moments. C'est comme si on n'avait pas de mauvais moments dans notre vie, on ne pourrait pas apprécier les bons moments, tout simplement. Effectivement, oui. On ne saura pas que C'est une belle vie. voilà que la vie est belle. Voilà, c'est Donc on ça. l'apprend avec toutes ses couleurs. C'est pas Oui. tout le temps en rose, ça c'est certain, mais C'est ce qui c'est rend une le belle. tableau magnifique. Notre réalisatrice Fatema Tahri, que je salue, elle a dit que c'est ce tableau qui lui a plu. D'accord. Alors. Par contre, moi, c'est le tableau de la vérité. Donc c'est bon. Donc c'est très joli. C'est Il y a des normal. ksaha Chaque vraiment. personne a son style. C'est normal que tu te référencies à quelque chose. Une autre personne se référencie à quelque chose d'autre. Très bien. Donc merci beaucoup. Et Merci. le tableau n'est jamais fini.